Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Party Hard. Aujourd'hui, nous allons parler de la cocaïne qui est une substance d'origine végétale obtenue par transformation de la feuille de cocaïer, un arbre qui pousse en Amérique du Sud. Là-bas, les feuilles sont mâchées, ce qui permet de soutenir un effort prolongé et stimule le système respiratoire. Pour les habitants, c'est un acte culturel, comme boire un café ou un thé chez nous. Après transformation, elle se présente sous forme de poudre blanche. La plupart du temps, la cocaïne est consommée le plus souvent par voie nasale, c'est ce qu'on appelle le sniff. Plus rarement, elle peut être injectée. Les effets sont alors immédiats et plus intenses. Elle peut aussi être fumée, basée. On y ajoute alors de l'ammoniac ou du bicarbonate de soude et la transformation permet d'obtenir le crack ou la freebase. Ces deux appellations désignent la même chose et leurs effets et les risques sont encore plus importants que pour la cocaïne, mais ça, nous en parlerons très bientôt dans une prochaine vidéo. La consommation de cocaïne entraîne une sensation d'euphorie. La coke est un stimulant intellectuel et physique. Les premiers effets apparaissent 15 à 30 minutes après la prise et durent environ une heure. Ces effets sont suivis d'une phase de descente où il peut arriver de passer par différents états. Anxiété, irritabilité, etc. La cocaïne est aussi à l'origine d'une dépendance psychique pouvant conduire à des envies irrépressibles d'en consommer. Et ça s'appelle le craving. Il peut survenir plus ou moins rapidement après la dernière prise. La consommation de cocaïne, qu'elle soit ponctuelle ou chronique, peut avoir un impact sur la santé physique et psychique des usagers. Pour les dommages physiques, la cocaïne provoque une contraction de la plupart des vaisseaux sanguins. Les tissus sont donc insuffisamment irrigués et manquent d'oxygène, se détériorent, ce qui peut provoquer des nécroses. C'est d'ailleurs souvent le cas de la cloison nasale avec des lésions perforantes chez les usagers réguliers. Le partage du matériel utilisé pour sniffer peut aussi favoriser la transmission de virus comme les hépatites B et C ou le sida en cas de saignement. La cocaïne provoque aussi des troubles du rythme cardiaque qui peuvent être à l'origine d'accidents cardiaques à cause de l'élévation de la pression artérielle, surtout chez les personnes fragiles ou qui consomment beaucoup de tabac. En ce qui concerne les risques psychiques, dans les heures qui suivent la prise de cocaïne, des troubles délirants peuvent apparaître sous la forme d'épisodes psychotiques avec hallucinations auditives, visuelles et sensorielles, mais aussi des insomnies et des pertes ponctuelles de mémoire. La cocaïne est une drogue passe-partout car ses effets permettent de rester en forme sans trop créer de signes visibles. Il est donc facile de tomber dans l'addiction car on peut la prendre à n'importe quel moment dès que l'on a un coup de fatigue et sans que ça se remarque. Eh bien, déjà, il faut bien écraser le produit pour qu'il soit le plus fin possible, car les morceaux peuvent rester coincés et créer des lésions dans le nez et les sinus. Il faut utiliser un support propre, si possible rigide et à usage unique, afin de limiter tout risque d'infection. À ce propos, oubliez les chiottes quand vous êtes en club, que ce soit la cuvette ou même la chasse d'eau, si vous ne voulez pas vous retrouver un jour avec le nez en chou-fleur. Utilisez du sérum physiologique entre chaque prise pour bien nettoyer votre nez et mouchez-vous. Utilisez une paille personnelle à usage unique type roule-ta-paille que vous pouvez retrouver auprès de n'importe quel assaut de réduction des risques ou sur les stands pendant les soirées. D'ailleurs, tu roules-ta-paille, c'est-à-dire que tu découpes et tu roules des morceaux de papier. Là encore, assure-toi de la propreté de ton matériel. Nous ferons d'ailleurs prochainement une vidéo sur le matos de RDR et les choses à ne pas utiliser. Dernier conseil, comme d'habitude, ne pas entreprendre d'activité à risque et ne pas prendre le volant. La cocaïne exacerbant la confiance en soi, on peut croire qu'on gère alors qu'en fait, pas du tout. Attention à la polyconsommation, c'est-à-dire les mélanges avec d'autres produits. La cocaïne est généralement coupée avec d'autres substances, ce qui accroît la dangerosité de sa consommation, car nous ne connaissons pas les autres produits qui la composent. Il peut s'agir parfois de substances psychoactives qui peuvent interagir avec la cocaïne. Certains produits sont même détournés de leur usage premier et peuvent être toxiques, comme par exemple la phénacétine, qui est un antidouleur interdit en France car cancérigène, ou même le levamisole, qui est un vermifuge pour animaux. Idem pour l'alcool, on peut croire qu'on encaisse mieux l'alcool grâce à la cocaïne, ce qui risque surtout d'entraîner une surconsommation d'alcool. Sauf qu'une fois la cocaïne redescendue, l'alcool, lui, est toujours là, donc au mieux, ce sera un vomi,
au pire, un coma éthylique. D'ailleurs, le mélange alcool et cocaïne conduit à la synthèse par le foie du cocaéthylène, qui a des propriétés psychoactives et une toxicité proche de la cocaïne, sauf qu'il s'élimine beaucoup moins vite et augmente bien plus les risques d'accidents neurologiques, d'atteintes hépatiques et de perturbations du système immunitaire. Le risque de mort par arrêt cardiaque est lui aussi sensiblement augmenté. La cocaïne reste un produit très répandu dans de nombreux milieux sociaux. C'est une drogue qui s'est démocratisée dans le milieu de la nuit comme dans le cadre du travail. L'image de ce produit reste cool et anodin alors qu'il ne l'est pas du tout et que les risques sont non négligeables. Il est important de se poser la question sur la fréquence des prises et sur la durée de sa consommation. Restez prudent et n'hésitez pas à vous renseigner davantage. Comme toujours, les sources et infos supplémentaires sont en description de la vidéo. Merci de l'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, de partager. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Party Art, c'était Ratus pour Freeform. Ciao.